Salut à tous, c'est Quincy, on se retrouve sur Factorio pour la suite de notre série, donc à Bob's Angel. Factorio en bien modé. Et on va s'attaquer aujourd'hui, donc non pas à la fonderie comme prévu initialement, mais à la fabrication du bois. En fait, sans bois, je peux pas faire de circuit électronique, et sans circuit électronique, je peux pas faire grand-chose du tout. Donc, j'ai regardé un petit peu comment on va faire du bois, et en fait, on va faire du bois avec des algues. Plus particulièrement, des algues vertes. Donc, des green algae like that. Comme ça, pardon. Donc, j'ai déjà préparé trois fermes d'algues marque 1. Donc, il nous faut de l'eau minérale et du carbone dioxyde. Ça tombe très bien. Carbone dioxyde, on va pouvoir faire ça ici directement. Pour ça, parce qu'en fait, on en avait déjà fait ici. Si vous vous en souvenez, voilà, dans le liquefier, on faisait du carbone dioxyde. Donc, tout simplement, on reprend. On change pas une équipe qui gagne, en fait. Tout simplement. Voilà, donc. La recherche qui vient de se terminer, il me fallait autre chose, je sais plus trop quoi. Il y a des chances que ça s'appelle les algues brunes. Algues marron, je me rappelle plus exactement. Tiens, ça. Ah, voilà, ça peut être sympa. On va rechercher ça. Mais tout d'abord, il va nous falloir. On en aura juste assez pour un. Quoique j'ai ça, donc je pourrais utiliser ça en fait. En bleu, ça marche aussi. On va se mettre tout simplement ici. Celui-là, il va nous faire. Donc du dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone que l'on va mettre directement dans un. Alors je sais pas si ça marche. Normalement oui. Oui, ça marche. Voilà, ça augmente. On va le garder comme ça sous la main. Donc ça, il en fait assez. On est plutôt bon. Du coup, ouais, ça, on va remplacer ça ici. C'est largement suffisant. Ouais, ça marche très bien. Et il va aussi nous falloir, donc, on regarde, de l'eau minéralisée. L'eau minéralisée qui se fait comme ça, donc avec de la crushstone et de l'eau, toujours dans un liquefier. La crushstone, ça tombe bien, on en a beaucoup, tout simplement. Beaucoup. Donc ça tombe très bien. On va donc la sortir par ici. Alors ça, on va lui dire crushstone seulement. Voilà. Fait un petit flip-flop et ça marche. Et on va utiliser ça ici. Voilà. Oui, on va faire ça comme ça. Donc, on va mettre ça comme ça. Hop, pas dans ce sens-là. Et on va lui dire minéraliser. Voilà. Et pour le coup, on va donc s'intéresser à aller chercher de l'eau. Donc on va aller chercher tout en bas ici. C'est pas forcément très intelligent d'avoir fait ça ici en fait, parce que si je veux étendre un peu, j'étendrai pas énormément mon installation. De Éli enfin, installation électrique plutôt. Voilà. Faisons quelques tuyaux en pierre parce que c'est y a que ça de vrai. On a une pompe ici qui marche très bien, donc on va la mettre ici. Des tuyaux en pierre, j'en ai quelques-uns, donc ça tombe bien. On est bon. On est bon. On ramène un peu d'électricité juste pour que ça marche. Ça serait utile. On va descendre ça ici. Ça. Je me mets donc un réservoir ici aussi. Voilà. Donc maintenant on a nos deux ingrédients. Et pourquoi je les ai mis un de chaque côté, vous allez comprendre assez rapidement. Voilà, notre ferme, elle se présente comme ça, tout simplement. Hop,
Donc alors ça, on va lui dire des algues. Hop. On continue. Et voilà, ça tombe nickel. De ce côté-là, c'est le gaz. C'est le gaz, c'est le dioxyde de carbone. Et de l'autre côté, c'est l'eau minéralisée. Donc c'est comme si j'avais préparé l'épisode. Vous avez vu? Presque ça. Voilà, donc on va avoir de l'eau minéralisée ici et ici. Gaz du dioxyde de carbone ici, 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 ici. Voilà. Mince, c'est où qu'on s'est fait attaquer? Là-bas. Oh, ils sont venus jusqu'ici, les petits bâtards. Ils m'en ont détruit une? Ils m'en ont détruit une, a priori. Non, quand même pas. On va faire ça jusqu'ici. Toi, je vais te déplacer ici. Je vais te mettre un peu de munitions de ce côté-là. Ouais, voilà. Voilà ce dont... Enfin, ce à quoi j'ai affaire en ce moment. Ça attaque de tous les côtés, ça devient assez violent. L'avantage, c'est que je peux feinter un petit peu en mettant des murs. Donc ça va les forcer. C'est pas ultra joli, mais voilà. Avec toute la crushstone qu'on a, on va pouvoir commencer à faire des trucs plutôt sympathiques. Hop. Et voilà. Et voilà. Donc c'est histoire de défendre un peu, qu'ils évitent de faire tomber les mitraillettes dès le début. C'est pas top, ça arrive. Donc c'est juste une pseudo ligne de défense. C'est moche, mais ça a le, enfin ça a l'avantage de marcher plutôt correctement, on va dire. Donc on met ça là-dedans, voilà. Et donc revenons à nos petits petites algues avec des tuyaux en pierre, parce que pourquoi pas. Ça nous fait plaisir. Allez, plus de tuyaux en pierre. Et toujours ça de prix. Donc ça, normalement... Ah non, ça n'a pas encore commencé, du coup. Ah, nous falloir un peu plus de tuyaux en pierre. Ça arrive, ça arrive. On est bientôt prêt. Donc là, on sera bon. Là, on sera bon aussi. Ça va remonter ici, jusqu'ici, jusqu'ici. Il nous manquera la dernière. Encore? Où ça? Là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça a tapé. Qu'est-ce qui est mouru? Des murs? Non. Bon, là, ça va, il y a encore... Il y a de la défense. On est plutôt bon. Ici, par contre, il n'y a plus grand-chose. On va essayer de faire des munitions. Que eux, ils ont plus de munitions. Je vais leur donner toutes mes munitions. Pas forcément une très, très bonne idée, mais c'est pas comme si on avait énormément le choix. Alors là-dedans. Non, je vais bien prendre ça. Non plus, non plus. Voilà, on va regarder ça là-dessus. On va refaire un peu de fer. Sinon, on va pas y arriver. Bon, ils viennent ces arbres ou bien? Alors, hein. Voilà. Presque, presque, presque. Il nous manque les tuyaux droits. Et on pourra passer à la suite. Pour passer à la suite, il va nous falloir ça. Ça, on n'a pas assez de bois, évidemment, évidemment, évidemment. C'est fou, quand même. On a que dalle en bois.
Toujours pas ça. Et voilà. Mais non, c'est pas ça que je veux. Je veux les droits. Voilà. Et voilà. Et donc là, on est bon. On a tout ce qu'il faut. Donc ça va commencer à tourner. Ça va nous produire des algues. En produisant des algues, qu'est-ce qu'on pourrait rechercher ici? Brown algae. Ça, c'est quoi? C'est washing. Water treatment 2. Washing. Ça nous permet de. Viscous, mud water, mud. Il y a moyen que ce soit. Que ça fasse. On en aura sûrement besoin, donc on va le rechercher. C'est a priori, il va falloir tout rechercher de toute façon. On aura besoin de tout. Voilà. Et je vais lui redonner un petit peu. Toi, t'en as deux. Il reste deux, donc on va en mettre. Voilà. Gestion des munitions, ça va commencer à devenir assez critique. Et donc là, on a 200 algues. Donc les algues, une fois qu'on a des algues, donc l'idée ce sera de les déposer sur un convoyeur et de les faire redescendre. L'idée ensuite, donc une fois qu'on a nos algues, c'est où? C'est ici, pardon. Donc on va faire deux choses. Un, de la fibre de cellulose. Et on va aussi faire... Alors on va commencer par faire de la fibre de cellulose. Fibre de cellulose qui se fait dans un liquefier encore. Alors par contre, je ne connais pas exactement la recette. Donc on va voir ça ici. Donc voilà, ça demande juste des algues. Donc si je mets 200 algues, ça marche. C'est génial. Donc on va pouvoir faire descendre nos algues ici. Ah, celui-là il est quasiment plein, celui-là il est plein. Donc on a de quoi faire quand même pas mal de trucs. Ah, si je fais descendre tout ça ici, on devrait être content. On a un comme ça. Évidemment, pas au bon endroit. Donc ça va nous amener ça ici comme ça. C'est toujours ça de pris. On va faire descendre ça jusqu'ici. Et on va donc faire passer ça à ce niveau. Voilà, j'ai du bleu. Et donc on a notre cellulose. Cellulose qu'on va donc retransformer par la suite en deux choses. Donc ça va nous permettre de faire du bois, mais il nous faut aussi de la pâte de cellulose. Pâte de cellulose qu'il va nous falloir. Soit... C'est quoi ça? Les wood pellets. Et du bois. On peut pas faire de bois avec les wood pellets. Non. On est d'accord. Ça marche pas comme ça. On peut faire du... faire du méthanol gaz, mais il va nous falloir du soit du sodium hydroxyde, soit du chlorure de méthane, truc dans le genre. Donc en gros, la folie. Chlorure de méthane, chlorure de méthane. Donc il nous faut du chlorine et du méthane. D'accord. Comment on fait du méthane? On n'en fait pas, a priori. Un chlorure de méthane, c'est du noir avec deux bandes blanches. On ne le voit pas ici encore. On ne le voit pas. Par contre, est-ce que ça nous fait? Méthanol. Sans méthanol. Mais c'est pas du méthanol qu'on veut, c'est du chlorure de méthane. C'est du méthane. On sent que ça va commencer à nous plaire, ça. Chlorure de méthane et le chlorine, chlorine et hydrogène. Chlorine, comment on fait du chlorine? On n'a pas le chlorine non plus. Ouh, la bonne blague. La grosse blague, j'ai envie de dire. Sinon, on peut utiliser ça. Est-ce que ça marche aussi, ça? J'avais deux, en fait, j'avais l'alternative. Ça.
J'ai toujours pas de recette là-dessus, donc pas pouvoir faire grand-chose. Ici, j'ai qu'une seule recette. Donc alors, méthane. Recherchons. Gas processing. Gas fractionning. Méthane, éthane, butane. Ok, natural gas. Il va nous falloir du gaz naturel. On va rigoler. On va rigoler énormément. Pas moyen de faire ça. Et du sodium? Sodium, ça se fait comment alors? Sodium. Sodium carbonate. D'accord, c'est pas ça qu'on voulait. Sodium hydroxyde. Water treatment 3. Saline water. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous voyez un peu à quel point on rigole? Sodium chloride, non, c'est sodium hydroxyde que j'ai envie. Pourquoi je peux pas en faire du sodium hydroxyde? Saline water, produit, voilà. Saline water, et ça me fait du chlorine, de l'hydrogène et du... Ça me fait tout ce qu'il faut. À part le méthane. Mais donc ça nous donnera du sodium. D'accord. Donc ça se fait, c'est là-dedans. Bon, bah, on vient de trouver ce qu'il nous fallait. Comme quoi, c'est possible. Alors, c'est a priori là-dedans. Voilà. C'était où? C'était un de ces trucs-là. Non, celui-là, purifying water, non. Bah alors, il me semblait que c'était ça. Voilà, c'est celui-là. Et donc ça se fait là-dedans. Ça, il nous faut des circuits basiques. Donc il nous faut un peu de bois. J'ai plus de munitions là-dedans. Ça pique un peu. Est-ce que je peux récupérer un peu de charbon là-bas? Oui. Parce que ça, c'est un peu la vie quand même. Là, on voit l'attaque en direct dans le sud-est. Sud-ouest, pardon. Décidément. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Oui, je voulais mettre des munitions là-dedans. On va aller chercher un peu de bois. On va aller chercher un peu de bois. Et on va essayer de faire notre sodium. Une fois qu'on aura le sodium, ça devrait aller. Une fois que notre usine de bois sera en place, il n'y aura pas de soucis. Il n'y aura pas du tout de soucis. En fait, quand j'avais préparé l'épisode, là, désolé d'avoir pris un peu de temps d'ailleurs, quand j'avais préparé l'épisode, il me semblait que j'avais le truc du chlorure, enfin le chlore, il me semblait que j'avais compris comment le faire. Et en fin de compte, a priori, non. Je crois qu'on a tous compris que non. C'était pas du tout dans l'idée. Voilà, donc là, on est en train de faire notre petite machin qui va nous faire ça. Et ça va nous produire du chlore, l'hydrogène. Deux choses qu'on devrait pouvoir stocker quelque part ou annuler. Un storage tank. Voilà, il m'en faut. Il va me falloir un peu plus. Toi, il te faut du fuel. Vas-y, prends du fuel. Ouais, c'est vrai que toi, t'en as plus. Bah alors, pourquoi t'as plus de fuel? 50. Non. Ça, c'est important. Voilà, donc pour l'instant, on résiste quand même à peu près aux attaques. Ça arrive de ce côté-là. Ouais, c'est... Ça utilise pas mal de ressources, hein. Alors, on vient de finir notre petite usine. Non, j'en avais déjà un. Sans déconner. Bon, c'est un truc assez mastoc. A priori, on pourrait le mettre là. Tiens, on va lui dire ça. Voilà.
Donc, ça va nous demander. Ah oui, ça demande quoi? Ça demande de l'eau saline. Saline water. Comment on fait de la saline water? La bonne blague. Saline water. Tin mud water et de la water. Tin mud water. Light mud water. Non. Light mud water. Comment on fait de la light mud water? Concentrated mud water. Heavy mud water. Viscous mud water. Mud. Sans déconner. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est complètement débile ce truc. Comment on fait de la mud? Parce que en fait, pour faire de la viscous mud water, il vous faut de tout en fait. Et tout utilise de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. C'est n'importe quoi. Clay. Sand. D'accord, donc au final, siffleur pompe, à mon avis, c'est ça qui doit choper de la merde. On va regarder. Oh, du poisson. Voilà, 5 gros fiches. Comme ça, pour le plaisir. Bon, avant de se quitter, parce que là, l'épisode va toucher à sa fin. Ça donne quoi? Ça produit quoi? Si je mets un petit tuyau là. Ça me sort quoi comme truc débile? Ça me sort de la viscous mud water, d'accord. Donc il va falloir qu'on fasse un truc. Ça me sort ça. Il faut que j'ai de la saline water. Donc il va falloir que je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 étapes pour avoir ce que je veux. Donc, en utilisant 5 fois cette machine qui demande oh, tellement de métal. Bon, et ben ça vous indique directement que il va y avoir du gros grind entre les deux épisodes. C'est la super fête. Voilà. Il n'y a pas de moyen de faire de la saline water autrement. Non, c'est tin mud water. Je vous jure. Je vous jure, je vous jure. Bon bah tant pis hein. Clarifier hydroplant. Ouais. Bon bah on n'a pas le choix. Au moins on a notre mode water. Voilà. Donc je vais faire ça entre les deux épisodes. Je vais récupérer ce qui est nécessaire. Ce qui va être nécessaire à la création de. Au traitement de notre bouse là. Ouh ça. Ouh, ça c'est une grosse attaque. Oh je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Ah ouais. Ok. Alors, pause. Pause. Il vient de se... Pardon, je viens de taper dans le micro. Il vient de se passer un truc assez ultra violent. Mais genre, ultra, ultra violent. Va falloir que... Ouais. Va falloir qu'on... Que je révise les défenses là. Parce que pour le coup, bon, les murs, ça va, ça tient. Mais alors, ils sont arrivés, ils étaient plus que deux, là. Là, ils sont trois. Ce qui est bien. Dois vous l'avouer. Mais non. Je ne suis pas d'accord, là, à ce niveau-là. Je ne suis pas d'accord du tout. Bon. Eh ben, ce que je vais faire, c'est que... Je vais voir comment je vais faire ça, mais il va me falloir pas mal de ressources et aussi que je survive un peu plus que 3 secondes aux attaques. Et bah, on verra ce que ça donne au prochain épisode. Donc, merci encore une fois d'avoir regardé celui-ci. Moi, je vous dis donc à dans 2 jours pour la suite. En attendant, amusez-vous bien. Salut!